Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, je ne vivrai pas. Je vivrai. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas jamais. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les hommes de l'Éternel. Je ne mourrai pas jamais. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les hommes de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de Dieu. Je ne mourrai pas jamais. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas jamais. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas jamais. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de Dieu. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de Yahweh. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de Yeshua. Je ne mourrai pas jamais. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas jamais. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas jamais. Alléluia. Amen. Dieu m'aide, je ne mourrai pas jamais parce que tous qui sont en Christ, Jésus en Christ. La Bible vous dit, même si je meurs, il va me ressusciter et je vivrai avec lui éternellement. Alléluia. Et tout le bon fait de Dieu, tout sa bonté dans ma vie, je peux testifier ça, même avec lui dans le ciel. The song says, I will not die. No, I will not die, according to the book of Psalm. But I will live to testify to the goodness of Elohim. I will live to testify every good thing the Lord is doing, the move of the Lord now to recover his children. The mighty move of Elohim, the mighty move of power of Elohim. As many of them that are attacking the message, attacking the truth, attacking what Sylvester is preaching, I am going to live to testify and laugh every one of you. I am going to live to testify to let you people know that my Elohim, the chief of army staff of Yah, he is the one shaking the world right now. And he will shake it until he gets his true children. And he said, Esau is the end of this world. Means Esau is the wicked, and wickedness shall, he said, the wickedness shall swallow the wicked. And he said, Jacob is the beginning. Jacob will follow. That is, Jacob is righteousness. Jacob is Israel. Jacob is elected ones. They will fill this earth. He will take them to take over everything and wipe off everything concerning Esau. Hallelujah. C'est ça qu'elle a dit. Esau, c'est la fin de cette monde. Esau, dans le livre de Ezra, chapitre 6, lis à partir de 6 jusqu'à 9. Read it in the book of 2 Ezra chapter 6, from 6 to 9. Esau is the end of the world. Jacob, follow it. It's a prophecy, it's a parable. Concerning how the wicked shall be wiped off from this earth, and the righteousness, which is Israel, his elected ones, will be filled, will use to fill this earth. Ce qu'il a parlé là-bas, c'est un parabole. Esaü, c'est le méchant sera balayé dans cette monde. Et cette monde sera rempli par tous les descendants, tous les élus. Son élu, c'est Israël. Son peuple qui marche dans la sainteté sera, il va les utiliser pour remplir cette monde. Alléluia. Rappelle, on a dit, il nous a promis, on a dit d'aller dans la terre. Promise.
son jardin, jardin de Eden. Remember that we are marching, walking to the promised land, his garden of Eden. That's where we are going. That is paradise. C'est son paradis. Alléluia. Donc, je veux vivre pour testifier, pour lui raconter tout. Et pour aussi moquer de tous qui ont été de moquer de moi aujourd'hui. Alléluia. Vous va venir chercher mon Dieu. Ah, c'est mon Abaya. Abaya. Hey, ne jouez pas avec Abaya, lion de tribu de Juda. Hey, avec l'épée dans sa bouche. Il y a l'épée dans sa bouche qu'il va utiliser pour gorger sur ce monde. Ne jouez pas avec lui. La parole qui sort dans sa bouche, c'est l'épée. Alléluia. You want to play with Abaya, lion of tribe of Judah. He said, I will slay the wicked with the sword of my mouth. The word coming out of his mouth is sword. His own sword is in his mouth. How many of you have your own sword in your mouth? The sword you have in your mouth is the sword of gossip. He carried the sword of justice in his own mouth. He used it to slay all the wicked. Revelation chapter 11, 18. He said, I'm coming to destroy dead and destroy this earth with the sword of my mouth. Hallelujah. Amen. Apocalypse 11, verse 18. Il dit, j'arrive. Pour aller massacrer tout ce qui a détruit ce monde, qui a renversé ce monde que Dieu a créé. J'arrive avec l'épée dans ma bouche. Je vais les massacrer. J'arrive, mes enfants, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Oui, je vous livrerai dans les mains pour vous faire n'importe comment. Mais rappelle que je vous promets aussi que j'arrive pour leur récompense tout ça qu'ils ont fait contre mes enfants. Et récupérer aussi tout ça qu'ils ont volé. Il va payer cette fois. Il va payer cette fois. That's what he promised us also. My children, don't worry. I am coming with the sword of my mouth to deal with them all that deal with my children and recover all that I've stolen from them 7 times because they are thief. When the thief something and he was caught, he said he will pay 7 times. He said he will use all his household to pay the debt. Alléluia. Il dit, mais quand le voleur s'est attrapé, c'est pas seulement payer cette fois. Il dit même, il va utiliser tout ça qu'il a dans sa maison pour payer cette dette. C'est ça que Babylone va faire. Babylone va tomber. Babylone va zéro. Babylone, attends. Va lire Jérémie 50, 51, 52. Il dit, vous tous qui aimez Babylone, vous allez prendre votre bagage et fuir Babylone bientôt. That's what he said. Go and read Jeremiah 50, Jeremiah chapter 50, Jeremiah chapter 51, Jeremiah chapter 52. You that are still selling your land, selling everything. Pastor, you are still running to America, running to Britain, looking for where you go in Europe, getting visa, this thing. Go and read it. He said, all of you that love Babylon, we run, we carry your bag and run and leave Babylon. We stay far, we say, hey, we go to Britain, injury, that America, and more pay. Europe, and more Chile, you will see it. Hey, we are running to Babylon. All the politicians that thief our money and bank it in Babylon, don't worry. After this dealing, you will regret what you have done with your generation. Your children are still riding limousine, riding everything. Don't worry. Don't worry. What you people have done to the seed of Elohim, you will regret for collaborating with Nephilim to deal with the people of Elohim. Hallelujah. Il va regretter, laisser les politiciens, tous les politiciens et tout. Ce n'est pas Ali Bongo qui a été, il a laissé. Maintenant, il ne parle pas français, il parle anglais. Anglais va les sauver. Il parle anglais. Il dit les gens, il me fait la bruit.
Oui, le population de Gabon est en train de faire la bruit dans la rue parce que tu es un faux président, tu es un méchant avec ta famille. Ils sont en train de la bruit, ils sont en train de célébrer. C'est la bruit. Il parle la langue, il parle anglais. Maintenant, tu connais la langue des anglais. Tu ne parles pas français. Il faut appeler Macron. Appelle français qui t'amène là-bas, qui vous fait des contours de fer, les peuples de Dieu de souffre. Les peuples de Dieu, ils sont devenus esclaves dans votre main. Attends, je vais vous montrer dans le verset. Vous avez dans les Isaïe 52 aussi, non? 52. Il a dit, c'est Israël lui-même, un enfant d'Israël, il a livré le peuple d'Israël dans la main de Babylone. Vendu ton peuple, ton vrai frère et sœur. Partagez toutes les richesses avec Babylone. Alléluia. He is now there speaking English. Are you English, man? You don't see French to call. They should make noise. Which noise? Yes, the people are making noise. You don't see the population, the nation of Gabon are making noise because of what? Babylon upon them have been removed. The cage, the chain. We are going to see it today in today's message. The chain. The Lord said, his children to shake away the band they put on their neck. Shake it away. This Babylon, this our people, these people, the Israelites have cooperated with you. Say their people. Isaiah 52 say it. You cooperate with the Babylon. Sell my people. Sell their riches. Give it away. All the things I give to my people. You cooperate with the Babylon and give it to Babylon. Sell my people. Torment my people. Sell them away. And now you are shaking body. You are shaking body and calling to come and help you. To come and help you. Who will help you? When you people have turned the people of Elohim to servant and maize. You don't know that one day will come, it will be your own turn to cry. One day will come, when they will ask you to go out, you know, who will permit you? Come and go out now. Security will be following you to go and shoot yourself. Your daughter herself cannot go out. Everybody arrested. That is the work of Elohim. When you think that the devil will give you post and promise you that as you have the kingdom here, that's how you reign also in heaven. No kingdom can bring your kingdom down. And you will follow him. Not that the devil is a deceiver. He has no kingdom. He has no kingdom to give to anybody. He will lift you up and also bring your downfall. That's what the devil does. He will lift you up, then also disgrace you publicly. The meeting you used to go, your secret meeting, occultic meeting, everything, no one of them can help you again. You will invoke them, they will tell you that this, the hand I hold you now pass our own hand. C'est ça que les gens ne connaissent pas. Maintenant, il est là-bas, en train de demander que les gens viennent lui aider, que les gens fassent la bruit, les gens viennent lui aider. Il parle anglais. C'est les Anglais qui vont t'aider. Angleterre, bientôt pour eux, va commencer. Leur disgrâce et leur honte va commencer. C'est eux qui vont venir t'aider. Vous avez exploité votre pays. Vous exploitez votre pays. Va lire Isaïe 52 à partir de verset 1. C'est ce que vous avez fait contre le peuple de Dieu. Rejoignez avec Babylone. Vendez toute la richesse que le Seigneur. Il a mis dans son terrain. Vendez son people. Tuez tout ça que vous pouvez tuer. La plupart de vous utilisent ou même pour faire le rituel. Combien que vous avez déjà tué? Combien de people de Dieu, même au Nigeria et partout? Vous allez voir la main de Dieu. Il arrive. Je vous dis ça tous les jours. Il arrive. Vous pensez qu'il est silence. Vous êtes sous le diable. Sous Satan. Satan va vous promettre tout. C'est un menteur. Il va utiliser le mensonge pour t'élever. Te donner le royaume sous la terre là. Il va te dire que comme ton royaume il est aussi là, c'est comme ça que tu serais avec lui aussi quand tu vas mourir. Tu vas penser que c'est vrai.
tu vas continuer de faire les bêtises. Mais un jour comme ça, tu vas voir comment il va te disgracer publiquement. Tu vas aller appeler, il va te dire que je ne peux rien faire. La main qui est au-dessus de toi, là, ça me dépasse. Tu vas invoquer tout ton... Même de coûte, Rosquoi, Illuminati, Freemason et tout. Tout le monde va te dire que la main qu'on voit chez toi, là, c'est très fort. On ne peut pas venir. Donc, accepte ta destinée, c'est comme ça. Méchanceté qu'ils sont partout. Attends, il arrive. Ça reste Nigeria maintenant. Attends. Tinubu, Buhari, tout le monde, prépare-vous. Tous les politiciens de Nigeria, prépare-vous. Vous êtes volés. Prépare-vous. Remain you, Nigeria. All the politicians in Nigeria, prepare. The hand of Elohim is coming. All of you, prepare. The anger of Elohim is coming. Tinubu, Buhari, Anko, all of them. Whether you call yourself APC, Ndu Hindama, prepare. The Lion of Tribe of Judah is coming. It's coming. You will see the mighty hand of Elohim. You think that you own this world? You think that you own this world? You can buy Nigeria. You can buy election, buy everything, turn everything upside down. Oh, you will regret, you and your children, your generation. This time it's a judgment time. Jacob, he said, Esau is the end of the world. It means wickedness. He will end wickedness. Then righteousness will follow. And righteousness is Israel. Righteousness is Jacob. C'est ça qu'il a dit. Si vous ne connaissez pas ça. Esau, c'est la fin de cet monde. Qui signifie que la méchanceté va terminer. La fin de méchanceté, c'est la mort. Le monde là va terminer avec la méchanceté. Le Seigneur va l'abolir et rétablir la sainteté, la justice qui est Jacob, qui est Israël. C'est ça le commencement des nouvelles choses. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Tu vas voir tout le pasteur. Tout qui réclamait que son pasteur populaire, ne peut pas parler parce qu'il mange avec eux. Il mange avec eux. Et prend-les l'enveloppe. Ils sont tous sous l'avion privé, partout. Qui vous a acheté ça? C'est tous les politiciens là qui vous a acheté ça. C'est pour cela que vous ne pouvez pas parler maintenant. Ils sont déjà fermés votre bouche. Alors qu'un vrai pasteur, tu es un représentant de Yah sur cette terre. Et il t'a appelé pour faire quoi? Pour exposer toute injustice. Même si on voulait couper ta tête, tu dois parler de injustice jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. That's it. Look at them, all the so-called pastors, you see all of them, they gather the children of God, treating them as Nicodemus was treating the children of Elohim. When he met Yeshua HaMashiach threw a question to him. That's how they are. Pastors like Nicodemus. No knowledge of the word of Elohim. Yeshua HaMashiach asked him, so you call yourself a pastor and you don't know anything, all these things that I'm teaching you concerning salvation. Then why do you gather my people? Why? What are you gathering them to do? Gather them to make money and build empires and buy private jets and begin to make mouth, carry titles. Bearing G.O., bearing Archbishop, dressing like Pope John Paul,
That's all the thing they like to dress, competing with the Vatican. That's when you will know that's where they are from. All those bishops dressing like that, that's where they are from. Even those ones that are not dressing like that, you will know them, that's where they are from. You will see doctrine, their doctrine. That's why they cannot speak the truth. Some of them will tell you that gospel is not made to offend somebody. Who tell you like that? Then why did Jesus Christ was crucified? Why all the apostles was crucified? Because the wicked was offended by the truth. The truth offend a wicked person. Truth is an offense to a wicked person because it exposes the wicked. And the wicked hate it. They hate every word that exposes them. So they will fight. Hallelujah. Qu'est-ce pitié? Tu vas les voir, bishop ou pasteur, les habillements. Il n'y a pas la différence avec pape là-bas, Vatican. Ils sont en train de compiter. Parce qu'ils viennent de là-bas. Les autres qui ne portent pas les vêtements là, les robes, ils sont en costume tout le temps, même s'il fait froid, même s'il fait chaud. Il transpire, dis donc. Avec costume. Tout le temps. C'est comme ça qu'eux aussi ils portent. Tout le temps. Le robe. Des fois, c'est deux robes. Trois robes. Il fait très chaud, les méchants. Peut-être à l'intérieur aussi, il y a bulletproof. Même, c'est ça qu'on appelle ça. Ça qui regarde le bas. Quand on lit tiré. Oui, tiré par bas. Peut-être qu'il a intérêt aussi. Il met le robe sous ça. Ou peut-être lui-même. Parce qu'il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. C'est ça qu'il a dit. Ça qu'il a dit de faire, c'est très mal. Donc, quelqu'un peut venir avec le bas. Dit que le prêtre là, tu nous as déjà trompé. Bam, bam. Mais comme il a ce ça va lui protéger. Il va maintenant dire que c'est son Dieu qui a refusé que cette femme n'est pas rentrée. Il s'est fou. Il a quelque chose qu'il a porté en bas. Parce que la Bible dit que l'œuvre de l'elle-même n'est pas propre. Alléluia. C'est pour cela qu'au Nigeria, tout ça a été acheté le vatu de. Qui rejette le bombe et le bas rentré. Tu es un homme de Dieu. Tu roules avec va tout. Tu as vu les autres avec police et militaire, les gardes. Parce que pasteur, tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai. Si tu es vrai, la Bible dit les anges de Dieu ils sont autour de tous ses enfants, tous les jours. Pourquoi tu cherches police, cherches militaire pour tes gardes? Tu as vu que vous êtes faux. Et les gens aussi sont dans cette église, ils sont ces gens de pasteurs. Ils connaissent pour faire miracle sous ta vie. Mais il ne connaît pas pour faire le miracle pour protéger lui-même. Son miracle ne peut pas protéger lui-même avec sa famille. C'est la police et le militaire. Mais pour vous, il va vous dire Dieu, que Dieu vous protège. Et tu vas sans police, sans militaire. Et lui, il utilise militaire et police pour protéger même toute sa maison. C'est entourage avec garde-corps. Faux gens. Et vous êtes des sous, dites que mon papa spirituel. You see it? Why, how they are deceiving them in Nigeria, all of them. They work with a security guard. All of them are buying now, are having a bulletproof cars. And they are calling themselves to say that they are working for Elohim. Because the work of your hand is not clean. Man of God or whatever, man of dog or whatever you people call yourself. G.O.
You are carrying police, police escort. Police guide you both when you are teaching in your church, in your house, and everywhere. Some of them will say because of terrorism. But I know there is church that are preaching holiness, that are standing in the true word of God, that they did not put any police, put any this in. Who are you? Terrorists that step there will confess, will be arrested by the angel of Elohim. Why your own is different? Because you know that the works of your hand are not true. You are a hypocrite. That's why you are afraid of death. You are afraid of those you have offended. And they are not preaching truth. You know, you are not standing on the truth. You are not standing on the solid rock. When you stand on the solid rock, who is he that will fire rock? The bullet will return back unto you. Try to fire rock. We fire rock, the bullet will bounce and come back unto you and wound you. That's a solid rock. It's Yeshua HaMashiach. The deceiving people everywhere. Your deceptions have come to an end. Yeshua have rise to deal with every one of you. If you don't repent, you will see what he will do to every one of you. The time has come. You have deceived his Israelites so much. You have deceived them so much. The politicians are doing wickedly. You that call yourself also Papa Church, with the Bible in your hand, doing wickedly. The Bible says you make merchandise of my people. Merchandise of the children of Elohim. And those ones also don't want to know the truth. When they see somebody telling them the truth, they say, this one, they come from where? They are looking for man to follow, not Yeshua HaMashiach to follow. When you are showing them the truth, they are busy defending their mama pastor, mama G.O., papa G.O. That's all they want, they like. Blindness have covered them. May God help us, Lord. Que donne aide. C'est ça que tu vas aller voir partout. Dis-le la vérité. Il ne veut pas accepter. Vous aussi qui dites que si vous êtes mambo, vous cherchez seulement pour être mambo. Mambo de faux église. Mon pasteur. Pasteur qui ne dit rien. Pasteur qui vous a déjà mis dans le cage. Il ne veut pas accepter que vous écoutez un autre message. Il ne veut pas accepter que vous lisez la Bible même. Il ne paie rien parce que toute chose qui va lui, là où que vous va trouver la vérité qui va lui expose ou qui va lui faire que vous pouvez poser la question, il ne veut pas. Il bloque tout. Il n'y a que son message, il n'y a que son livre, il n'y a que son. Tout ça qui vient de lui, c'est ça que vous avez le droit pour écouter ou pour lire. À part de ça, si tu te vois même avec un autre message, ça vient de. La prière est critique. Le message est critique. Toutes choses. Et tu l'as dit dessus. La vérité, il vient, il dit non. La sainteté, il ne prêche pas. La sainteté, ils ont déjà modifié ça. La grâce, il est couvert. Il y a un frère qui a demandé. Ils se sont dit, on n'est pas le temps de la loi. Nous sommes maintenant le temps de la grâce. C'est ça qu'ils ont envie de dire. Il y a un frère qui a demandé quelque chose dans le programme. Il a dit, vous dites, on ne suit pas le temps de la loi et la grâce nous couvre. Alors que la Bible dit, un endroit ou une vie ou un pays qui n'est pas la loi, Il devient quoi? Bordel. Oui. Donc, quand vous dites le pays de Yeshua HaMashiach, son propre pays, qu'il n'y a pas la loi, ça veut dire que ça a devenu. Donc, ça veut dire que. Il va dire ton pasteur comme ça. Va demander ton pasteur comment vous dit on ne suit pas le temps de la loi, c'est le temps de grâce. Et quand la loi maintenant, il a fait comment?
Donc, s'il n'y a pas la loi dans votre Seigneur, votre Jésus que vous êtes dessus, s'il n'y a pas la loi du don, ça veut dire que son pays va devenir n'importe quoi. Arrêtez-vous de dire ça. Il y a la loi. C'est la loi qui fait que toi et moi, on ne peut pas faire n'importe comment. On ne peut pas voler. On ne peut pas retourner. On n'a pas le droit pour retourner encore dans notre Égypte. Parce que nous sommes maintenant, on a quitté en Égypte. Où il n'y a pas la loi, on a venu où il y a la loi. Donc il dit, va dire ton pasteur que cette doctrine, c'est le mensonge. Il y a la loi. Ne dis pas ça encore que nous sommes dans le temps de grâce et ce n'est pas le temps de parler de la loi et tout ça là. You see it? The people that have been deceived. Be completely deceived. A brother was discussing and explaining this, explaining it as it in a program. How can you people say we are no more in terms of the law, we are in terms of grace? He said, how can you people be teaching such things? How can you pastors, all these pastors are teaching those things? So if you people say we are no more in time of law, it is time of grace, then that means the kingdom of Elohim have become nonsensical nonsense. It have become a lawless place. What is keeping me and you and matching us into this kingdom is his law and commandment. Anyone that tell you that we are no more in the time of law, we are in the time of grace, he is a deceiver, he's Satan. Law is what is keeping us. Before we are living in Egypt, Egypt is a sin, it's a bondage place, it's this world where sins are, we are living in sin. Now he brought us out to it, into his marvelous kingdom that is ruled and guided by law. That is why you and I cannot return back to our Egypt, our sinful way. We cannot steal, we cannot rob, we cannot do all this again because there is law in his own kingdom. If there is no more law there, it becomes a lawless place. Where there is no law, it becomes lawless. So go and tell your pastor like that. Hallelujah. Amen. C'est ça que tu vas voir, que là l'église va remplir avec toute cette mauvaise doctrine. Alléluia. C'est ça que Lucifer il fait. Il va amener beaucoup de gens. Il va rester là-bas. Il dit que c'est mon église. That's why you see their church will fill up. Because that is what Lucifer wants to hear. We, a place where there is no law. We are saved by grace. You will see the place will fill up. They are there doing all their nonsense. Nephilim food there. Jezebels. Mami water. Everything. They are there worshipping Lucifer. Saying that they are receiving miracles, signs, and wonder. People who are blind people. May God remove all what the Satan have used to cover your eyes just in the name of Yeshua HaMashiach. Thank you, Lord. Donc, on va prendre cette prière avant de rentrer, avant d'aller. Let us take this prayer. This is the month of Nine. Nine means to be fruitful. You shall be fruitful. C'est le mois de numéro 9. 9 signifie. C'est signifier abondance. Appelle neuf. La Bible dit la femme va accoucher, il va dans la grossesse, il va passer jusqu'à 9 mois, il va accoucher. Ça veut dire que numéro 9 signifie le mois de abondance, le mois de renouveau, le mois de le mois d'abondance. Le mois de anglais de fruitfulness. Abondance. Le mois d'abondance. Alléluia. Donc, alléluia. On va prier. On va demander le Seigneur. On va déclarer que le Seigneur, cet mois, que cet mois soit le mois d'abondance pour moi. Let this month be a month of abundance, the month of fruitfulness. Everything in my life that have not been bearing fruit must bear fruit, good fruit this month.
good fruit, good fruit, good fruit. Que toute chose depuis ma vie qui ne produit pas le bon fruit, dans cette numéro 9, le mois de numéro 9, je déclare que tu vas produire le bon fruit au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Priez, prophétisez sur ta vie, bien-aimé. Pray and prophesy on yourself. You are not coming here to come and sleep. Tu ne sois pas là pour venir dormir. Demons are walking, they are not sleeping now. You should pray for yourself, pray for your life. Pray for your family, pray for your household. Pray and declare, this month I must be fruitful. I must be fruitful. Every area in my life must be fruitful. Tout endroit dans ma vie doit produire. Le Seigneur Yeshua HaMashiach, je demande que ma vie soit productive. Toutes choses dans ma vie qui ne produisent pas. Tout endroit dans ma vie qui est déjà stérile, la stérilité, en train de me tourmenter, toute ma vie spirituelle, ma vie de jeûne, ma vie de prière, ma ministère, mon appel, ma destinée, que tout était silence. Je déclare à partir de maintenant que tout commence à produire, produire, produire. Bon fruit, bon fruit, bon fruit, bon fruit, bon fruit. Priez, priez, ouvre ta bouche, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Open your mouth and speak to the Lord. Speak to the Lord. The Bible says what you declare is what you will possess. La Bible dit ça que tu as déclaré, c'est ça que tu vas posséder. C'est ça que tu as déclaré que tu vas posséder. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Que ma vie soit productive. Bon fruit, bon fruit. Bon fruit, bon fruit, bon fruit. Dans tout côté de ma vie, tout domaine 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 de ma vie, produit, produit le bon fruit, bon fruit, bon fruit. Every domaine of my life, every domaine of my life, produce, produce, be fruitful, be fruitful. I prophesy into my life, to my family, to my marriage, to my ministry, to my calling, to my home, to my destiny, into my journey in this world, my journey in this world, be fruitful from today. I must be fruitful for the Lord. I must be fruitful in my ministry, in evangelism. I must be fruitful. Don't evangelize, evangelization. They doit produire. Ma vie doit produire, Seigneur Yeshua HaMashiach. Je dois produire pour le Seigneur. Je dois produire. Papa, que toute l'affaire d'extérité dans ma vie soit éliminée. Every barrenness in my life, let it be eliminated by fire. Every barrenness in every area in my life. Barrenness physically, barrenness spiritually. Let it be terminated by fire tonight. Thank you, Yeshua. Thank you, Adonai. Thank you, King of Glory. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Omnipotent, Omnipresent God. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, King of Glory. Thank you, King of Glory. Thank you, Adonai. Thank you, Adonai. Let every sickness in my life disappear by fire. Disappear. Tout maladie dans ma vie. Disparaît. Soit éliminé, exterminé. Des maladies dans ma vie. Soit exterminé par le feu. Que cette maladie soit exterminée au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Adonai. Thank you, Dieu Tout-Puissance. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, dans vos prières. Amen. Give me the anointing to be able to know the mystery of your kingdom. My dear brothers and sisters, to decode, to know the mystery of the kingdom of Elohim, Yahuwah, you need a special anointing. It's not this anointing they are doing anyhow, using anyhow. There's people who have given that anointing. There is anointing to know the mystery of his kingdom.
There is anointing to decode the word of Elohim. Bien-aimé, il y a l'onction pour connaître le mystère de le royaume de Yahoua. Il y a l'onction pour connaître le mystère de son royaume. Cette onction, ce n'est pas pour tout le monde. Aide-moi à lire le livre de Daniel. Help me read the book of Daniel. Aide-moi à lire. On n'est pas le temps de assis parce qu'il y a la prière à faire. On vient de finir le premier parti. On va maintenant rentrer dans le deuxième parti. Israël de Yahuwah, Israël de Elohim. It is not the time to sit. We have just finished the first part. We are going now to second part. Très, very, very serious. Alléluia. Daniel 12, verse 10. Edmondly, this. Daniel 12, verse 10. C'est lui qui est là-bas. Daniel chapitre 12, verset 10. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal. Et aucun d'eux ne comprendra. Tandis que ceux qui sont faibles. Et le méchant là, ils sont de Isaou. The wicked, they will continue to do wicked, they will never understand. And this wicked are the Esau. Esau, the book of Ezra, the second book of Ezra, chapter 6, from verse 6 to 9, said, Esau is the end of the world, the wicked shall end. They shall be swallowed up by this earth. And he said, Jacob is the beginning that will follow. Jacob there is talking about righteousness. The saints, the holy people, will take over. Wickedness will swallow the wicked. Esau, Edomite shall be swallowed. Esau there is Edomite, the wicked people. Who refuse to know the truth. There is anointing to know the truth. Les méchants, ils sont Esaü, qui ne veut pas la vérité, qui reste dans leur faux doctrine. Il sera avalé par cet monde. Mais Jacob va prendre contrôle de cet monde. Jacob signifie la sainteté. Jacob, c'est les élus de Yeshua HaMashiach. C'est eux qui vont prendre contrôle. Alléluia. Ensuite, immédiatement, l'élimination des méchants qui sont Edomites, qui sont Esaü. Ensuite, Jacob, le saint, Israël, va remplacer les bêtises. Alléluia. Amen. Alléluia. Allez-y. Amen. Allez-y. Go on. Verset 10. Beaucoup seront purifiés, épurés, raffinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui est en train de passer maintenant. The wicked cannot understand what is happening now. Allez-y. Tandis que ceux qui sont perspicaces comprendront. Amen. Amen. Il s'est dit, the wise will continue to be wise. The wise will understand. The wise, they are the true children of Israel. We understand. But the foolish are the generation of Esau. They can never understand. They will be showing them the truth. They will be arguing it. Because they did not teach it in their Bible school. They are working with their Bible school and their certificate in their Bible school. We don't want to rely on the Holy Spirit. The mystery of the kingdom. The mystery of the kingdom of Elohim is not taught in your Bible school. In your Bible school, no. It's only taught by Holy Spirit. The revelation is given by Holy Spirit, not in your Bible school. Le mystère de royaume de Yeshua HaMashiach n'est jamais apprendre dans ton école pastorielle. C'est pour cela que c'est le mystère. C'est seulement le Saint-Esprit qui réveille le mystère du royaume de Yahoua.
Alléluia. Donc, cherche cette onction. Le chanson dit sainteté. Cherchez-moi. C'est pas ça que le chanson dit. Il dit cherchez-moi. Alléluia. Amen. Cherche la sainteté. Cherche l'esprit de la sainteté. Cherchez-le. C'est ça qu'il veut. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Dans l'esprit de la vérité. Si tu le cherches dans l'esprit de la vérité. That's what he said. That's what the song said. Holiness. Holiness. He said, seek for me every day. Seek for me. Search for me. Holiness. The spirit of holiness is the spirit that will give you divine revelation of the mystery of the kingdom of Yahuwah. Hallelujah. Amen. Thank you, Yeshua HaMashiach. May the Lord be glorified. Isaiah 52. Isaiah 52, à partir de verse 1. Isaiah 52 from verse 1. Thank you, Lord. C'est lequel là-bas, Edmali? Anyone that is there, help me read it. Esaïe chapitre 52, verset 1. Annonce de la délivrance de Jérusalem. La délivrance de Jérusalem. Annonce de délivrance of Jérusalem. Jérusalem. Après, Jérusalem, il parle. Il utilise un mot qui représente toi, moi et notre terre. Alléluia. Jerusalem is using there, is speaking about two things. You, me, and our land. Alléluia. That's what is referring to there. Alléluia. Allez-y. Réveille-toi. 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 Réveille-toi, Jérusalem. Tu as vu? Réveille-toi. Ce n'est pas la terre qu'il a dit de parler. Il a dit d'adresser à quelqu'un qui dort. Alléluia. Wake up. Wake up. He's not talking to the land. He's talking to you and I that are still sleeping. Pastor, bishop that are still sleeping. Truth is coming out right now. Everywhere is shaking. You are still sleeping. You say nothing will happen. You will see it. Teach the people the truth. Prepare them for the shaking that is coming. Toi, pasteur, tu as dit d'écouter, attendre la vérité maintenant. Il dit, Jérusalem, réveille-toi. Vous êtes en train de dormir. Vous êtes en train de dormir. Prépare-vous. Prépare pour tout ça qui va arriver. Prépare-vous. Là que le Seigneur est en train de frapper les païens, nous aussi, on doit préparer. Parce que en Égypte, quand il est en train de frapper les Égyptiens, 7 jours, les enfants d'Israël aussi, ça allait en train de toucher. Mais quand même, le Seigneur, il a protégé. Parce que Moïse est là-bas pour leur dire, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Donc aujourd'hui là, le Saint-Esprit est là. Pour nous dire, ne vous inquiétez pas. Mais si votre pasteur ne vous enseigne tout ça, vous serez troublé. Vous serez dans la confusion. Vous allez commencer de dire n'importe quoi. Alléluia. You see, that day in the land of Egypt, when the Lord was passing, dealing with the with Egyptians, there was panic also upon the children of Israel. But they were not moved because Moses was with them, telling them that don't worry, this is the hand of Elohim that is moving. So they remained, they were less panicking. The same time, today, Holy Spirit is what is with me and you, telling us, don't panic. I am the one on control. I am in charge. So, if you are not in a real place, a real church, or under a good teacher of Elohim,
that will let you know all this prophecy, you will be worried and panicked, and before you know it, you will submit to the to Lucifer. That's why you need to be where you will hear the truth. Hallelujah. Amen. And know what is really happening now, what is about to happen, and where we are going, and where and what is about to fall onto this planet, to this Egypt that we are. Allez-y. Réveille-toi. Ok. Enfile ta force. En guise de vêtements. Ok. Sion. Mets tes habits de fête, Jérusalem. Ok. Ville sainte. Tu as vu? En effet, l'incirconcis et l'homme impur n'entreront plus chez toi. Verset 2. Ok. Secoue ta poussière. Secoue ta poussière. Lève-toi. Et reprends ta place, Jérusalem. Détache les chaînes qui enserrent ton cou. Détache les chaînes qui enserrent ton cou. Alléluia. Loose the band on your neck, Israel. Loose the band on your neck, Israel. Détache les le chair qui enserre ton cou, Israël, Jérusalem. Détache. C'est le titre de notre prière, notre message. That is the topic of today's message. That is the topic of today's message. Lose the band on your neck, Israel. Lose the band on your neck, Jerusalem. Hallelujah. For the years of your captivity is over. This is the time to pray for the manifestation of the promise of Elohim. And it's already doing it. Détache cette chaîne qui s'emmène dans ton cul. Chaîne de esclavage. Chaîne de difficulté. Chaîne de... Et tu ne veux pas élever ta tête. Chaîne qui te fait de... Tu ne sais pas celui que tu es. Chaîne qui t'a fait de perdre ton identité. Chaîne qui te fait... On t'a lié dans le pays de ton esclave. Tu pensais que c'est ton pays. Tu continues de vivre comme le païen. Jérémie 10, 2 dit... Vous ne devez pas vivre et copier les attitudes, les coutumes des païens. Oui, vous pouvez trouver vous-même au milieu de eux, mais ne jamais copier pas les attitudes. You see it? In Jeremiah 10:2, it says, "Hey." Yes, my people, Israel, you might be living in the foreign land, in the midst of the Gentile. Don't copy the way of the Gentile. Don't copy their way. It says, shake off the dust that Edomites have placed upon your body. They cover you with the dust of the earth. They make you are. You become slave. You are nobody into their hand. Il dit, c'est quoi le poussin que les païens, les Babylons, ils sont mis sur vous. Qui vous fait que vous devenez n'importe quoi. Vous n'êtes pas le respect. On ne vous respecte pas. On vous appelle n'importe quoi. C'est ça qui est en train d'arriver maintenant à l'Afrique. Afrique a été de secouer cette poussière. Afrique a été de briser cette chaîne. Rappelle, il a dit briser. Ce n'est pas lui qui va briser ça. Il dit briser. Alléluia. Ce n'est pas ça qu'il a dit dans votre Bible. Hein? Donc c'est toi et moi qui dois élever et combattre et briser cette chaîne. Remember, il says, what he said there, he said, arise. Lose your, he said there,
He said, oh Jerusalem, he said, and sit down, oh Jerusalem, lose yourself. Lose yourself, Israelite of Elohim. Lose yourself from the bands of the neck. Oh captive daughters of Zion. Regarde ça qu'il a dit. Vous, les enfants de Sion qui sont en captivité. C'est comme ça qu'il a dit donc, pour vous. Il a dit pour vous, le dernier, il a dit quoi, la dernière phrase. Détache les chaînes qui enserrent ton cou, uh-huh. verset 3. Uh-huh. Toi, la déportée, fille de Sion. Uh-huh. La déportée, c'est esclave. Alléluia. La déportée, c'est esclave. Vous, les filles d'Israël, les filles de Sion qui sont esclaves. Pourquoi il a utilisé filles? Fille là, c'est pas un, c'est tous les enfants de, parce que nous sommes mariés par lui. Nous sommes le poste de Christ. Donc, le langage, il nous adressait. Soit homme, soit femme. Nous sommes le poste de Christ. Donc, il nous parle de nous qui sommes esclavagés. Libère-vous-même dans cette captivité. Amen. Pourquoi il nous a dit de commander de libérer nous-mêmes? Luc 19, il nous a donné l'autorité. Pour faire quoi? Pour briser, pour détruire, pour lier, pour chasser. Donc, autorité est déjà dans ta main. Alléluia. You see it? You said it? He said, oh captive daughters of Zion. Why did he use the language daughters? Daughters, dear, you think that he's talking about only women. No. Remember, the Bible says, we are his wife, the bride of Elohim, the bride of Yeshua HaMashiach, the bride of Christ. Hallelujah. So, his wives are in captivity. We have been put in captivity by Babylon, by Edomite, by Hagarian, by Ishmaelite. According to, you will see it, he named all of them in Psalm 83. On a été dans la captivité, mais dans la captivité, par qui et qui? Psalm 80. Il a nommé là-bas, c'est ça non? Il a détaillé par Edomite, par Amorite, par Ishmaelite, par Agarian et tous les gens là. Tu vas les voir, tous ceux qui sont ennemis d'Israël. Alléluia. Il mentionne them, il détaille them one by one in Isaiah 83. And you go to see them, you will see that they are all enemies of Israel. Right from Edomite, Hagarian, Amorite, Ishmaelite. You see all of them there. Hallelujah. Amen. May the Lord be glorified. Que Dieu soit glorifié. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Lord. Lose yourself from their bondage. Israel, lose yourself. Israel, lose yourself. Thank you. Amen. We worship you, Lord. Father, we give you all glory. Amen. We honor you. For this is another hour to pray. It's another hour to call upon you. It's another hour to seek you. Your commandment says we should lose ourselves. Your commandment says we should lose ourselves. Father, as we go into this prayer tonight, every chain, every bond, whatever, every padlock, every handcuff, whatever they have used to chain us shall be broken in the name of Yeshua HaMashiach. Yes. It shall be broken in the name of Yeshua HaMashiach. It shall be broken. It shall be broken. Amen. It shall be broken. 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 In the name of Yeshua HaMashiach. It shall be broken. It shall be broken. Amen. Thank you, Yeshua HaMashiach.
As we go into this prayer, come on, rendre cette prière. Qu'est-ce qu'ils sont utilisés pour nous lier? Il y a aussi la loi. Toute la loi qu'ils sont utilisés pour lier chacun de nous. Avant qu'on termine cette prière, toute cette loi, il va exterminer au nom puissant de Yeshua, Amen. Amen. Va exterminer, Amen. Exterminer par la puissance au nom de Yeshua, Amen. Toute loi spirituelle et physique. Toute loi spirituelle et physique, ils sont utilisés pour lier Israël de Dieu, Jérusalem de Dieu, peuple de Yeshua Amashia, peuple de Yeshua Amashia. Cette loi, Seigneur, lève-toi, avant qu'on termine cette prière, que toutes ces lois soient rompues. Thank you, Yeshua. We worship you, Lord. Au nom puissant de Yeshua, Amashia, nous avons prié. Powers! Holding my life in captivity. Tiens ma vie en captivité. Powers! Holding my destiny in captivity. Tiens ma destinée en captivité. Ton temps est terminé. Libère-moi, libère ma destinée. Every power holding us in captivity, every power holding Jerusalem, holding Israel in captivity. I command you right now, lose your hold for my life. Die by fire, lose your hold. Père, libère-nous, même par le feu. Toi, c'est le pouvoir. Libère-nous dans cette captivité. Libère-nous. Thank you, Yeshua, à ma chère, à votre prière. Oh non, puissant de Yeshua, à ma chère, à votre prière. Mais prends cette prière. Le Seigneur m'a montré autre chose encore. On va attaquer. Slavery power. Pouvoir d'esclavage. Slavery power. Pouvoir d'esclavage. Sous ma destinée. Sous ma tête. Sous ma vie. Sous mon étoile. Tu es aimanté. Slavery power upon our destiny, slavery power upon our ministry, upon our calling, slavery power upon our children, slavery power upon our children. Upon our salvation, upon our ministry. Die by fire. In the name of Jesus. Be exterminated by the power of Yeshua Mashiach. By the power of Yeshua Mashiach. Let them be exterminated. Exterminate them by fire. Upon the life of Israel, upon the life of Jerusalem, upon the life of Israel, let it be terminated right now. Terminate it. Thank you, Yeshua Amashiach. Yes. Ah. Thank you. Ça, c'est pas quelque chose pour jouer avec. We worship you, Lord. We give you all glory. Powers! 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 From my place of bed! Powers! From my father's house! From my mother's house! From this country, that is still ministering slavery upon my life. That is still ministering slavery upon my life. Qui contrôle
de prononcer l'esclavage sur ma vie. Qu'il continue de prononcer l'esclavage sur ma vie. Pouvoir. Pouvoir. Depuis la maison de mon père. Depuis la maison de ma mère. Depuis ce pays. Depuis ce pays. Depuis n'importe où. Depuis n'importe où. Qui continue de prononcer l'esclavage sur ma vie. Qui continue de prononcer l'esclavage sur ma vie. Tu as échoué. Tu as échoué. Puissant dans le sang de Yeshua, ma chère. Localise-les. Avec les prononciations. Retournez tout sous les têtes. Retour sous les têtes. Retour. Oh Lord, my Father, let all their evil pronunciations upon our life, all their slavery pronunciations upon our life, let it backfire them. In the mighty name of Yeshua, backfire. In the mighty name of Yeshua, Amashia, we pray. Slavery blood in my system. Sans d'esclavage dans mon système. Slavery blood in my system. Blood of Yeshua, Amashia. Push it away. Push it away. Thank you, Yeshua. Puissant de Yeshua, à ma chère, à vos prières. Activities of Nephilim. Claiming me to be their slaves. Qui réclame que je suis l'esclave. You are a liar. Be rubbish by fire. Sois rompu par le feu. Activities of Nephilim. Reclaiming me as their slaves. Let them be rubbish. They are liars. You are a liar. Be rubbish by fire. Be rubbish. In the mighty name of Yeshua Hamashiach. Be rubbish by fire. Thank you, Yeshua. Thank you, King of Glory. Thank you, Agent of this. Oh no! We send Yeshua à ma chaîne à vos prières. Mais je prends cette prière très fort. Ah. On n'est pas. Maintenant, c'est. Let me go or you die. You pay the price with your life. You die by fire. I will not die. Alléluia. Maintenant, priez cette prière avec tout ta confiance. Hé, hey, on a qui? Le roi des rois, lion des tribus de Juda. Amen. Il est là. Hey, il est là. Amen. Il dit Jésus, chef des amis de l'Éternel. Amen. Jésus là pour vous aider. Amen. Tu es avec nous ou tu es contre nous? Ah, je suis avec vous. Amen. Je suis là pour vous aider. Amen. Parce que je vois que cette guerre, c'est compliqué. Donc moi-même, je suis là. Alléluia. Amen. Ah, Joshua asked him, who are you? Are you with us or are you against us? I said, no, I am with you. I am the chief of army staff of Elohim. I have come to help you. Fear not. I have seen the battle before you. That battle is complicated. But I am here to deliver you. The Edomite, the Nephilim, the Hagarian, the Ishmaelite, the Amorite, all of them have ganged up against my people. But I am here to show them that I am the chief of army staff. I am the one who permitted it.
I have come to terminate it. Alléluia. Amen. Jésus là pour leur montrer de voir la guerre qui est devant vous. De voir l'Idomite. De voir Agérian. De voir Ishmaélite. De voir Amorite. De voir Nephilim partout contre vous. Pour vous, cette guerre c'est compliqué. C'est pour cela que Jésus descendait pour vous délivrer. Amen. Pourquoi? Parce que le temps de votre péché est déjà complet. Vous avez déjà tout payé. Isaïe 40. Allez, aide-moi là-bas encore. Why I have come to help you. Isaiah 40. Go and read it for me from verse 1. Israel, Jerusalem, the time to pay your sins, your iniquity have been completed. You have paid all. I have pardoned you. You pass through it 2 times. You go through slavery 2 times. You have paid the price. So I have now come to fight for you. I have come to deal with them that deal with you. I have come to recover my land, which they share. All my blessings, everything I given unto you, they took away. I have come to get it back. Alléluia. Tout ça que Dieu vous a donné, ils sont pris, montés et tout, ils sont partagés. Je suis là pour récupérer tout. Amen. Uh-huh. Consolez mon peuple. Uh-huh. Dit votre Dieu. Consolez mon peuple. Dit votre Comfort Dieu. My people. Comfort my people. C'est Elohim, our Yahuwah. Amen. Uh-huh. Parlez au cœur de Jérusalem. Uh-huh. Criez-lui. Speak to the heart of Jerusalem. Tell Jerusalem. You see it? Jerusalem there is talking about individual. Israelite. Criez-lui que sa petite. Jerusalem, non, Jerusalem là-bas, il a dit de parler à quelqu'un individuel. Amen. Les enfants d'Israélites. Alléluia. Hein? Criez-lui que sa période de combat est terminée. Et ça veut dire que notre période de souffrance. C'est terminé. The period of our warfare is terminated. It means the period of our suffering have been terminated. Amen. Why? For what? Pourquoi? Que sa faute est expiée. Uh-huh. Qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. On a reçu le salaire. C'est pour cela que eux aussi, tous les païens qui ont donné leur vie à Yeshua, à Mashiach, vous va payer. Si vous dites tout ça, vous allez trouver ça dans le livre de Isaïe 14, à partir de verset 1. Vous allez payer. C'est pour cela que quand ils sont en train de nous voir, en train de demander le Seigneur, pardonne notre ascendre, pardonne notre parole, pardonne. Ils pensent que cette prière n'est pas importante. Attends, tu vas nous rejoindre, tu vas aussi faire ça. Parce que le Seigneur, tout ce qui punit son peuple va payer. Alléluia. Vous pensez que. Toute la richesse que vous avez, toute notre richesse que vous avez pris en train de manger, vous pensez que vous n'avez pas payé. Vous allez payer. Toute la richesse que votre ascendre, ils sont accumulés, tués. Tu connais combien de people, des Israélites qui sont tués? Ils sont tués. Tu connais combien? 1700 et quelque chose. Quand ils sont, va lire cette histoire, va regarder ça qu'ils ont fait. Les esclaves, ils ont pris Afrique de l'Ouest au Ghana, Bénin, en train d'aller au Jamaïque. C'est beaucoup, ils sont. Va regarder. Quand ils sont arrivés au milieu de la mer, Atlantique, Océan Atlantique, là, le bateau voulait casser. Au lieu de sauver les gens, ils ont sauvé le bateau, prendre tout le noir qui sont dans le bateau, là, mais dans la mer. Et sauver le bateau. Bateau, il est important. Plus que humain. Parce que nous sommes animaux. Va lire cette histoire. Alléluia. C'est dans le Google. Go and read that history. In the 17th century, when they came to take slaves
from West Africa, where they have the kingdom of Judah, took the blacks, both men, some men femmes et hommes, qui peut travailler. C'est toujours les Juifs, les vrais Juifs de Yeshua HaMashiach. Go and read it. Go and read that history. 17th century. They came to Ghana, place called Ghana, West Africa, where the kingdom of Judah is. Capture the black Jews. Carry them. On getting into the middle of the sea, the Atlantic Ocean, their boat want to break because it was overloaded. Parce qu'il est très chargé de humain qui va aller travailler pour eux à Jamaica. The slave that go and work for them in Jamaica. The boat having problem in the high sea about to break. Instead of them to save the human beings, they throw all the blacks, all the human beings, all the slaves into the sea. They were all drowned and died. The Edomites saved their boat. And they said, you will not pay. Et tu dis que vous ne pouvez pas payer. Ça que vous avez fait contre au Japon, Hiroshima. Ils sont en train de payer. Ils sont payés, non? Mais ça qu'ils ont fait contre nous, c'est plus que ça. Et vous dites que vous n'avez pas payé. Vous ne pouvez pas payer. C'est le Seigneur qui va demander ça même. Nous, on est là, on est en train de vous regarder avec notre papa. Ça qu'il va faire contre vous. Alléluia. Amen. Oui. What you people did, you people paid to what you did to Japan, Hiroshima during the World War, Japan say, the same girl, Second World War, that they use atomic missile. You paid. Then it is we that you will not pay our own. What you did to us is more than what you, it is miserable. Germany were paying what Hitler did. So the people they claim to be Jews in the Second World War in Germany. In Nazi Germany. Ça que Hitler il a fait contre les gens qui sont réclamés que c'est juif là-bas. Allemagne il a dit de payer jusqu'à aujourd'hui. 5 millions de gens que Hitler il a éliminés par chimique. Alors que ça que vous avez tué parmi les vrais juifs de Yeshua HaMashiach, il dépasse 5 millions de humains. Vous dites que vous n'avez pas payé. Vous n'avez pas même arrêté là-bas. Vous descendez encore, prendre toute notre terre, partagez. Dites que vous nous avez colonisé. Quelle colonisation? Est-ce que vous savez que je vais vous dire que vous demandez quelque chose? Va demander Google. Est-ce que vous savez que c'est l'Afrique qui a lui d'abord la première université dans le monde? C'est Afrique. Cette université s'appelle l'université de Djibouti. C'est la première université. Avant l'université des Européens. Toutes choses, ils ont copié ça. Le première université du monde, c'est Afrique. First, go and learn it. You that hearing me, go and study. You say you think Europe will develop. All their development was stolen from, they stole it away from us. Africa, first of all, got university. University of Djibouti. Go to the Google, you will go and query Google. Before any other university in this world, even European university. Africa have already got a university. The first university in the world is University of Djibouti. Alléluia. Amen. Laissez-vous le peuple de Dieu pour vivre et dans la paix. Vous dites non. Vous ne nous insultez pas.
vous nous faites mal partout. Et alors que c'est notre richesse que vous atteignez, vous atteignez, prendre et manger. Voler, c'est pas mais voler avec autorité. Menacer cette jeune aussi. Les prendre n'importe comment. Les isoler. Alléluia. Let the people of Elohim enjoy what the Elohim have given unto them and let them serve their Lord. You said no. You treat them very wicked. You call them animals. You call them monkeys. You are not intelligent like them. None of you are intelligent. Everything you are doing is what is stolen from them. Apostle Paul says in Romans. Les gars, ce qu'Apôtre Paul a dit dans le roman, que les gens ne connaissent pas. Pasteur, vous ne connaissez pas la Bible. Va vous étudier la Bible. Roman. See what Apostle Paul says in Roman. Roman 11. Roman 11. Cette verse qu'il a dit, la chute des Israélites qu'il a fait le monde de devenir riche. La chute des Israélites. Where that Apostle Paul says, the fall of Israel make the world to become rich. It is the fall of Israel. Je pense à partir de verse 8, 9. On va trouver là-bas. Non, c'est pas 8, 9. Let their eyes be dark. Verset 11. Verset 12. Ok. Verset 11. Lis-moi le 11. Romains 11, 11. Hein? Romains 11, 11. Let us start from there. Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Verset 12. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde, c'est ça, ils ont vu. Et leur déchéance, la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Thank you. Anglais, je vais lire. Now, if the Romans chapter 11, from 11 to 12, 12 now says, now, if the fall of them, which is Israel, which is Jerusalem, which is Judah, which is the people of Elohim, the fall of them be the riches of the world. The fall of us, our falling, make the world to be rich. Our disobeying Elohim, our breaking the covenant in Deuteronomy, make them to be rich. Parce qu'on a brisé l'alliance que le Seigneur a fait avec nous dans le Deutéronome. Que lui-même il a dit, si vous brisez ça, je vais vous faire de souffrir. Vous va devenir esclavage. Vous va aller servir les gens que vous ne connaissez pas. Vous va aller servir les gens qui ne sont pas les gens. Vous va aller souffrir. Je vais vous faire, vous va perdre votre identité. Je vais vous faire de souffrir. Mais à la fin, je vais venir vous sauver. Quand tu dis Deutéronome 32, il dit, vous m'avez fait de devenir un homme de jaloux. Mais je vais vous aussi faire. Vous aussi, va devenir jalousie aussi. Je vais provoquer aussi votre jalousie. Vous avez provoqué ma jalousie. Moi aussi, je vais provoquer pour vous aussi. C'est ça qu'il nous a dit. Il a dit jusqu'à, il dit, vous va servir l'idole. Dieu que vous ne connaissez pas. C'est pas ça aujourd'hui. On dit Jésus, Jésus.
On dit ça, ça. Zeus. On savent Mami Wata. On savent l'esprit, les sirènes. On savent tous les dieux. On savent faux dieux. On dit qu'on savent Dieu. Isn't that what he said there? I will lead you. You have. Deuteronomy 32 also. He said, you have provoked my jealous. I will provoke you people's own also. Deuteronomy 28. As long as you people break this covenant, I will lead you people to a nation who are not nation. Strange nation. Strange people. Gentile nation. Where they serve idols. In fact, they will take people as slaves. Tutuli, Isaiah 20, which the passage 64, après 64, tu vas voir là qu'il a expliqué que 64, 65, 66, quelque part là-bas, il a dit, il va mettre le coup, ça qu'il nous a dit de briser là. Ça qu'on a dit de briser là. Le chien, va regarder, ils ont dit, c'est Israéli qui sont mis là-bas en 1948, Israéli. Demandez cet Israéli, parmi eux, combien de eux qui étaient esclaves avec chaînes dans les coups. Qui est qui? Parmi les blancs, combien de blancs qui étaient dans cet esclavage avec chaînes dans les coups? Si vous ne connaissez pas l'explication de la Bible. Pastor Bishop, go and ask, go and read Deuteronomy 28. From 30, either 64, before you get to 68, you will see, there is somewhere there, he said, they are going to put yoke on our neck. Yoke. So, you that are calling 1948 Israelites, that they are the real Israelites, those white people there, go and ask them how many of them in their generation, their fathers, how many went to slavery with chains, with the hook on their neck? How many? How many were scattered into the whole four corners of the earth with the chains on their neck? Hook on their neck. They do not deliver under Jesus Christ. Amen. May God deliver us. I pray tonight. The Bible says, lose that yoke on your neck. And that's what the Africans. Africa is the Eden of Elohim, the most richest continent in the whole world. But the wicked, the Edomite, sit upon it. But there is four carpenters the Lord has raised to deal with them now. Africa, c'est le plus riche continent dans le monde. Parce que c'est la terre de Dieu. Il a dit, je vous amène là-bas qui coule. Avec le lait, il y a pas. C'est difficile pour trouver un pays africain qui n'est pas riche dans quelque chose. C'est pas comme ça en Édomite. Il y a rien. Mais là-bas, qu'ils sont des Israélites. Est-ce que il y a rien qui s'appelle minéral là-bas? Il y a rien. C'est un terre sèche. Donc c'est pas là-bas. Là-bas, ils sont formés, mais ça a commencé de construire, graver, et chef, tu dis que c'est le tombeau de l'aile de Jésus. C'est ça. Tout cela, c'est. Ils ont fait ça avec l'aile, mais c'est pas là-bas que Dieu l'a dit. C'est pour cela que c'est une terre sèche. Il n'y a rien dedans. Tout se sèche. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. The place that they call they are Israel, go there. It's a dry land, nothing there. Ils ont créé le river. Dit que c'est river Jordan, river ça. Tout ce qui est là-bas, c'est créé par eux-mêmes. Ils ont créé tout. Et les gens qui ne connaissent rien, ils veulent prendre l'avion. Je vais aller à Jérusalem. Je vais aller voir Jérusalem. Je vais aller voir le tombeau de Jésus. Je vais aller voir ça. Je vais voir ça. Tout ça, c'est faux. You see people taking flight, go to India, they want to go and see Jerusalem. They want to go and see where Jesus was buried. They want to, all this thing was created by Babylon. It's not the land. The identity of the land is not described like that. That place is a dry place.
There is no mineral resources there. It's a dry land. Africa is the Eden, the place of Elohim. Hallelujah. He says, the land which his eyes run through and flow from the beginning of the year to the end of the year is the place he's going to give to us. It's the promised land. Rappel, il doit le livre de peut-être de Deutéronome. Oui, il a dit, cette terre que je vais vous donner, cette terre, il dit, mon œil, il garde cette terre depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Toujours, je garde cette terre. Donc, c'est pas cette terre. Là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. We worship you, Lord. We give you all glory. Isaïe 40, il dit, nous a déjà pardonné. Merci, papa. Priez, demandez au Seigneur. Papa, aie pitié. Pardonne tous nos péchés. Péché de notre ancêtre. Qui sont désobéis. Qui nous a conduits dans toute cette erreur. Pardonne-les. Aie pitié. Have mercy, Lord. Papa, have mercy on our ancestors that lead us into all these errors. Have mercy upon them. Have mercy upon us. If we have known all this truth, we will not do it. Si on connaît toute la vérité là, on ne peut pas faire toutes ces choses. Ils ont retiré, le Babylon a retiré toute la vérité dans la Bible. Ils ont manipulé la Bible, éliminé toute notre identité. Et nous met dans le ténèbre. Ils ont utilisé la religion pour nous mettre dans le cage. Papa, aie pitié de nous. Pardonne notre péché. Pardonne toute notre erreur. Élimine toute notre iniquité par ton sang. Efface tout. Papa, wash our iniquity, wash our sins. Since of our ancestors, since of our parents, everywhere we have gone wrong and fallen short of your glory. Show us mercy. Wash us in the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. Thank you, Yeshua. Thank you, King of Glory. Thank you, Lord of Glory. Thank you, Lord. And he said, we are not coming out from this bondage, empty-handed. Hallelujah. That is under promise. Mais il dit, vous ne sortirez pas dans cette bondage, dans cette captivité, sans rien, zéro. Il dit, il va vous rembourser. Vous va sortir avec la richesse. Est-ce qu'ils sont, vous pensez qu'ils sont contents pour nous laisser pour sortir avec la richesse? Impossible. Impossible. Il ne peut pas. Mais le Seigneur va faire. Power! 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 Refusing my prosperity. You refuse my prosperity. Pouvoir! Pouvoir! You refuse my prosperity. You refuse my prosperity. Double disgrace, thank you, Yeshua. Thank you, Adonai. Thank you, Adonai. Thank you, King of Glory. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. Marine banks. Bank Marie Marine. Bank de 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 Mami Water. Bank de Mami Water. Bank de Babylon. Bank de Babylon. Qui retient mon argent? Qui retient mon argent? Marine Bank.
my prosperity. Tu refuses ma prospérité. Holding my finance. Tu retiens mes finances. Tu es un menteur. Libère ma finance par le feu. Libère ma finance. Libère ma finance. Libère ma finance. Libère. Finance des peuples de Dieu. Finance des peuples de Jolie. Finance des peuples de Jolie. Libère. Lose your hold. For the finance. For the finance of Israel. Lose your hold. You that Nephilim power. You that demonic power. You that Nephilim power. Holding our finance. Holding our prosperity. Lose it by fire. Lose it. Thank you, Yeshua. Oh no! Il sort de Yeshua à ma chaîne à vos prières. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Le Seigneur m'a révélé quelque chose. Alléluia. Dans cette vision, les gens arrivent sont dit Tommy, in that vision, c'est comme que Dieu est arrivé chez moi au Nigeria. Donc, c'est ça, il est arrivé là-bas. I get to my place, my hometown in Nigeria. Et quand j'arrive, quelqu'un qui te connaît, il a fait un complot avec les bandits pour venir me demander l'argent si je n'ai pas les données qu'on me fait mal. Allez. Somebody that I know planned with the kidnappers to come and meet me to give them money. If I not give them money, they should do me evil. They should attack me. Donc dans cette vision, dans cette rêve, quand ils sont venus, le Seigneur m'a réveillé. Jésus donne la vision. Quand j'ai dit de les voir, j'ai dit de conduire ma voiture. Et je conduis, je vois qu'il y a un bateau qui est en train de me suivre. Je commence de chercher pour échapper. Donc, à la fin, j'arrive quelque part, je descends. Quand je descends, je commence à demander dans l'esprit que les gens sont qui? Quel genre qui est en train de me suivre là? Donc, quand j'arrive de demander ça, le Seigneur, c'est comme que le Seigneur m'a dit, regarde. Donc, je regarde à gauche comme ça, je vis là où ils sont en train de faire cette plan. Je vis la personne que je connais là, en train de leur expliquer, en train de faire cette plan avec eux. Alléluia. Amen. So, in that dream, as I was driving in my place, and I see some people was following me with their vehicle. So I was trying to escape from them. When I see their movement, I see that these people are not good. So I was trying to escape. Then I get to a place and I come down. As I come down, I was meditating, who are these people? Why are these people following me? So as I was looking at that in the dream, and I saw, Lord opened my eyes and said, look this side. I just look at the left side. I see like a film, the person behind it. Where he was plotting it against me. So I now say, okay, it's you. Okay, no problem. So it get to a point, when I get to a place, then now, that one finished. Another day again, they followed me. Then another day again, they followed me. I was escaping every time. So the other day now said, that came directly where I am. They said, I don't want to settle them. I don't want to listen to that. Today, it will be war between me and them. So they just come to me, we begin to fight. They said, I must settle them. I said, settle you for what? That's I said, I don't have anything. They said, I must settle them. That's how we begin to fight. We begin to fight, I wake up. They have arms. I was even not afraid that they were. I just see that I have power to fight them. They have guns, they have everything, but I was not with anything, but I know that the Lord was with me. I was fighting them. We begin to fight, serious fighting. Donc, le premier, de voir que j'ai échappé tout le temps. Quand il vient, il me suit. J'ai l'habitude d'échapper dans cette vision. Mais il y a un jour maintenant, j'ai dit ça, on est déjà en train de marcher. Ils sont venus vers moi. Je l'ai vu. Ils sont dit ça. Nous sommes maintenant face à face.
Ils sont maintenant dit, ah, depuis le jour-là, j'ai été échappé. Aujourd'hui, là, je dois les... soit que je leur donne quelque chose, ou il va t'amener ma vie aujourd'hui. Et bien, ça, c'est impossible. Il a le couteau, le fuseau, c'est ça, non? Le fusil. Le fusil. Et ils sont remplis avec... C'est comme ça que nous sommes venus. Je dis, je n'ai rien à vous donner. Je ne comprends pas pourquoi vous tentez de faire toutes les bêtises là. Il dit, ah, ça c'est obligatoire que je dois leur donner quelque chose. Je dis, non. C'est comme ça qu'on a commencé de battre. Comme battre. On commence de battre. Dieu est réveillé. Alléluia. On va prier. Amen. On va prier. No power will take anything from you by force. And you will never pay for anything you don't owe. Even though anything, you will not pay. No power will force anything from your hand. Alléluia. N'importe quel pouvoir ne peut pas te forcer pour payer les choses que tu ne les dois pas. N'importe quel pouvoir ne peut pas te forcer ou ne peut pas arracher n'importe quoi que dans ta main. Amen. Alléluia. Amen. Tous les complots contre notre vie, que le Seigneur les localise, les disperse et disgracie au nom puissant de Yeshua, ma chère. Amen. Powers. Powers. Assigné. To take anything that belongs to me. Pour payer les choses que je ne connais pas. Vous me faites de payer le dette. Vous me faites payer le dette. Que je ne connais pas. Que je ne connais pas. Pouvoir. Pouvoir. Assigner. Pour arracher mon argent. Pour arracher mon argent. Dans le rêve physique. Dans le rêve physique, spirituellement. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Bâton de Yeshua, Mashiach. Localise-les maintenant. Thank you. Oh no.
Yeshua Amashiach. Au nom puissant de Yeshua Amashiach, dans vos prières. Amen. Ancestral power sur mes frères et sœurs. Ancestral power sur mes mères et sœurs. Ancestral power sur mes places sur bêtes. Ancestral power sur this city. Asking me to pay what I don't know. Qui me demande de payer ce que je ne connais pas. Qui voulait prendre mon argent par la force. Qui veut prendre mon argent par la force. Qui voulait attaquer ma finance. Qui veut attaquer mes finances. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Manteau de Yeshua Hamashiach. Frappe-les en pièces séparables. Frappe-les, 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 frappe-les en pièces séparables. Let the rod of iron of Elohim. Let the hammer of Elohim. Hammer of Elohim. Hammer of Elohim. Look at that power. Look at that power. That wants me. That wants me to pay. That wants me to pay. Want to force me to pay. Want me to pay. What I not owe. Want to fuck me. To take something from my hand. To take something from my hand. Rod of iron of Elohim. Smite them to death. Smite them to the purposes. 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 Smite them. Smite them. Smite them. Smite them. Smite them. Smite them. In the name of Yeshua Hamashiach. In the name of Yeshua Hamashiach. In the name of Yeshua Hamashiach. In the name of Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Oh no, puissant de Yeshua, Amashiach, dans vos prières. Amen. Any power. Any power. That is angry to my prosperity. Qui est fâché à cause de ma prospérité. Power. Qui est en colère. Qui est en colère. Qui est en colère. Qui est en colère. Contre ma prospérité. Contre ma prospérité. Que la colère l'ait avalé. Mais pas ta colère. Let anger swallow them up. Let them die by anger. Every power that is angry for my prosperity. Let anger swallow them up. Let anger swallow them up. Let anger consume them. In the name of Yeshua Hamashiach. In the name of Yeshua Hamashiach. Thank you, Yeshua. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, no, puissant de Yeshua, à ma chaîne, à ma prière. Every satanic stronghold. Toute forteresse satanique. Toute forteresse satanique. Toute forteresse satanique. Toute forteresse satanique. Qui fortifie mes ennemis. Qui fortifie mes ennemis. Pour briser pièce de la every satanic stronghold, every satanic stronghold, strengthen my enemies, strengthen my enemies, strengthen my enemies, scatter, scatter by thunder by fire, scatter by thunder by fire, scatter, 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 scatter it, scatter it, scatter it, scatter it, scatter it, scatter. Lose yourself, lose yourself from that false stronghold, lose yourself. Libère-toi-même. Libère-toi-même dans cette forteresse. Libère-toi-même dans cette forteresse. Libère. Que cette forteresse soit brisée. Que cette forteresse soit brisée. Que cette forteresse soit brisée. Brise cette forteresse. Détruis cette forteresse. Détruis cette forteresse. Empêche les palabres. Détruis cette forteresse. Détruis cette forteresse. Détruis cette forteresse. Let that stronghold. Scatter it. By thunder by fire. Thank you, Yeshua Hamashiach. Yes. Oh no, puissant de Yeshua Hamashiach dans vos prières. Amen. Toute forteresse satanique. Toute forteresse satanique. Qui refuse. De laisser les enfants d'Israël partir. De laisser les enfants d'Israël partir. Tu es un menteur. Prophète. Let it catch fire. Satanic stronghold.
Satanic stronghold that refuses, the Israelite to go, that refuses Israel to go. Let the thunder of God locate them, consume and destroy them, consume and destroy them, consume and destroy them. In the mighty name of Yeshua Hamashiach, in the name of Yeshua Hamashiach. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Adonai. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Oh no! Pisane Yeshua Hamashiach va prier. Amen. Every arrow of weakness. Toute flèche de la méchanceté. Toute flèche de faiblesse. Toute flèche de faiblesse. Toute flèche de faiblesse. Toute flèche de faiblesse. Prends cette prière très sérieux. Take this prayer very serious. Every arrow of weakness. Toute flèche de faiblesse. Fire into my spiritual life. Envoyez dans ma vie spirituelle. Tirez sous ma vie de prière. Tirez sous ma vie de prière. Tirez sous ma vie de jeûne. Tirez sous ma vie de jeûne. Tirez sous ma vie d'étude la parole de Yeshua Hamashiach. Tirez sous ma vie d'étude la parole de Yeshua Hamashiach. Tirez sous ma ministère. Tirez sous mon ministère. Flèche de faiblesse. Flèche de faiblesse. Tirez sous moi. Tirez sur moi. Arrow of weakness. Flèche de faiblesse. Fire into my life. Tirez contre ma vie. Fire against my ministry. Tirez contre mon ministère. Fire into my spiritual life. Tirez sur ma vie spirituelle. Fire into my prayer life. Tirez sur ma vie de prière. Fire into my fasting life. Tirez sur ma vie de jeûne. Fire into my the study of the word of Elohim. Tirez contre la vie d'étude de la parole de Dieu. You are a liar. Tu es un menteur. By the power in the word of Elohim. Par la puissance de la parole d'Elohim. Every evil arrow. Fire into my life. Backfire. Retour. Backfire. Toute flèche de faiblesse. Tirez sous ma vie. Tirez sous ma ministère. Retour au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Retour au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Retour. Que cette flèche retour. Que cette flèche retour. Que cette flèche retour. Retour. Let that evil arrow backfire. Thank you, Yeshua Hamashiach. Thank you, Yeshua Hamashiach. Evil arrow, go back to your sender. Evil arrow. Evil arrow. Evil arrow. Evil arrow. Evil arrow. Aussi nous laisser partir comme ça. C'est pour cela qu'ils sont en train de chercher tout le moyen pour lancer les flèches des autres pandémiques. Pandémique. Alléluia. Remember that the Babylon, Nephilim will not let us to go like that. That's why they are working, looking for how to release another pandemic. Their pandemic is evil arrow, if you don't know. Alléluia. Si tu ne connais pas, les pandémiques, c'est flèche magnifique. Tu ne connais pas, il faut savoir ça maintenant. Donc, ils sont en train de chercher tout le moyen
tout le moyen qu'il va utiliser pour lancer un autre pandémique. Toujours contre Israël de Yahoua. Alléluia. Ivu aro, go back to your sin. Ivu aro, go back. Ivu aro. Ivu aro. Ivu aro. Ivu aro. Ivu aro. Ivu aro. Babylonia arrow. Babylonia evil arrow. Babylonia evil arrow. Babylonia maléfique. Programming against us. Programmé contre nous. Programmé contre nous. Retournez sous les têtes. Thank you, Yeshua. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Lord. Pisa de Yeshua, amasha la voix prière. Amen. Ah, thank you. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Cause of poverty. Malédiction de pauvreté. Malédiction de pauvreté. Malédiction de pauvreté. Malédiction de pauvreté. Prononcez sous moi. Prononcez sous moi. Prononcez sous ma génération. Prononcez sous ma génération. Prononcez sous ma lien familial. Prononcez sous mon lien familial. Prononcez sous mon lien de sang. Prononcez sous mon lien de sang. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Par la puissance dans le sang de Yeshua, Amashia, toi, cette malédiction, sois terminée. Au nom du sang de Yeshua, Amashia. Terminez-les, terminez-les. Cette malédiction, mais. That cause of poverty, that cause of poverty, pronounce upon your life, upon your life, that cause of poverty, that cause of poverty, pronounce upon our ministry, upon our calling, pronounce upon our generation, pronounce upon our family lineage, pronounce upon our bloodline, cause of poverty, pronounce upon us, upon our household, upon the work of our hand, let it be terminated right now by the blood of Jesus. Yeshua Amashiach, terminated by fire. Oh no! Puissant Yeshua Amashiach dans vos prières. Rappel, le message dit, il dit tu dois, on doit secouer. Ces chiens, ils sont mis dans notre cou. La pauvreté, c'est le chien. Alléluia. Le chien qui sont mis sous nous. Nefli la mis sous nous. Aujourd'hui, je déclare que ces chiens. C'est terminé au nom puissant de Yeshua. Thank you, Yeshua Amashia. Maintenant, tu vas changer cette situation. Amen. Now you are going to change it. Every cause of poverty in my life, I change it to become blessing. I change it to become prosperity. I change it to become progress. I change it to become promotion. I change it to become elevation. I change it to become abundance blessings. C'est comme ça que tu vas prononcer sur ta vie. Amen. Tu vas déclarer que toute malédiction de la pauvreté sur ma vie. Je change tout. Je change. Que ça devienne la prospérité. Que ça devienne la bénédiction. Bénédiction abondance. Bénédiction abondance. Que ça devienne
la promotion. Promotion est le livre. Sous ma vie, sous ma génération. Sous ma vie, sous ma génération. Que ça devienne. Que ça devienne. Élévation. Élévation. Évolution. Dans le Seigneur. Dans l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Yeshua Machia. Au nom puissant de Yeshua Machia. Au nom puissant de Yeshua Machia. Tout malédiction de. Malédiction de pauvreté. Malédiction de pauvreté sous ma vie. Des combats à partir d'aujourd'hui. Que tout revienne. Devienne bénédiction abondance. Bénédiction abondance. Bénédiction abondance. Au nom puissant de Yeshua Machia. Au nom puissant de Yeshua Machia. Au nom puissant de Yeshua Machia. Des charges. Je réécris tout. Au nom puissant de Yeshua Machia. Nous avons prié. Merci notre Père. Merci le roi des rois. Merci Dieu toute puissance. Merci Dieu toute puissance. Au nom puissant de Yeshua Machia, nous avons prié. Amen. Toute guerre. Toute guerre. Toute bataille. Toute bataille. Que Dieu perde dans le rêve. Que j'ai perdu dans le rêve. Toute guerre. Toute guerre. Toute bataille. Toute bataille. Qui m'a vaincu dans le rêve. Qui m'a vaincu dans le rêve. Every battle. Toute bataille. Every battle. Toute bataille. Every war. Toute guerre. That overcome me in the dream. Qui a perdu dans le rêve. That overcome me spiritually. Que j'ai perdu spirituellement. By the power in the name of Yeshua HaMashiach. Par la puissance de nom de Yeshua HaMashiach. I overcome you. Spiritually and physically. From this moment. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Par la puissance dans le nom de Yeshua HaMashiach. Je vainc cette bataille. Je vainc cette guerre. Spirituelle et physique. Matériel et financier. Matériel et financier. Spirituel et physical. I overcome that battle. In the mighty name of Yeshua HaMashiach. I overcome that battle. I overcome that battle. I overcome that battle. I overcome that battle. I overcome battle. I overcome that battle. In the mighty name of Yeshua HaMashiach. In the mighty name of Yeshua HaMashiach. Thank you, Yeshua. 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 Oh, no, puissant de Yeshua HaMashiach, ma prière. Witchcraft activities in my life. Activité de sorcellerie dans ma vie. Mami, water activities in my life. Activité de sorcellerie dans ma vie. Activité de sorcellerie dans ma vie. Occultic activities in my life. Activité des occultes dans ma vie. Activité des occultes dans ma vie. Activité des occultes dans ma vie. Activité d'esprit ancestral dans ma vie. Activité d'esprit ancestral dans ma vie. Ancestral powers activities in my life. Activité d'esprit ancestral dans ma vie. Idols activities in my life. Activité des idoles dans ma vie. Activité des idoles dans ma vie. Par la puissance dans le sang de Yeshua HaMashiach. Par la puissance de Yeshua HaMashiach. Que tout soit rompu. Rompelet. Let all be rubbish. Let all the activities be rubbish. By the power and the blood of Yeshua HaMashiach. Rubbish them. Rubbish it. Rubbish all the activities. Rubbish it. By fire, by thunder. By the blood of Yeshua HaMashiach. Rubbish. Every activities of Mami Water. Every activities of Obadiah Spirit. Every activities of familiar spirit. Every activities of spirit, husband, spirit, wife. Activité de mari, de ni, femme, de ni. Don't have Rempoulet par le sang de Yeshua HaMashiach. Rempoulet au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Rubbish them. By the power and the blood of Yeshua HaMashiach. Rubbish it. Every activity of spirit, wife, spirit, husband in your life. Rubbish it. By thunder, by fire. By the blood of Yeshua HaMashiach. Rubbish it. Thank you, Yeshua. Thank you. Oh no! Puissant de Yeshua HaMashiach, dans vos prières. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les lives de l'Éternel. Non, je ne vivrai pas. Je vivrai. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je
Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. 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 Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. 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 Tu raconterais les œuvres de l'Éternel. Tu raconterais les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, jamais. Tu ne mourras pas, jamais. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, jamais. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, jamais. Tu ne mourras pas, tu vivras. Power! Looking for how to kill me. Power! Seeking for how to kill me. Die in your plan, in your program. Kill it. Tout ce pouvoir qui a été conspiré pour tuer de bonnes choses dans ta vie. Qui conspire pour tuer de bonnes choses dans ta vie. Tout ce pouvoir. Kill the power. Kill it by fire. Kill the power by fire. Kill the power by fire. They will not succeed. Thank you, Yeshua. Oh no, Yeshua Amashiach. Every visitation of dead people. Visitation des personnes qui sont mortes. Dans ma vie. Visitation des gens qui ne sont pas des âmes. Visitation des personnalités démoniaques. Dans ma vie. Puissant le sang de Yeshua Amashiach. Localise-les. Arrête-les. Jette-les à la Bible. Arrête. Every visitation. Visitation of dead people. Decision of people and not people. Decision of satanic agents. Decision of Nephilim. In my life, blood of Yeshua Mashiach, arrest them. Throw them to the abyss. Arrest them. Thank you, Yeshua. Thank you, Adonai. Oh non, puissant de Yeshua Amashiach, dans ma prière. Amen. Je rejette. Devourer of finance, financial devourer. I command you right now, I reject you from my life, I reject you from my ministry, I reject you from the life of my people. I command you to be conjured
and be destroyed by fire. Judgment of Elohim. Locate every devourer. Every devourer that have been assigned against me. Every devourer that have been assigned against my joy. Elohim, King of glory. Let them be devoured by fire. 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 Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. Oh, no, puissant de Yeshua, Amashiach, dans vos prières. Every plot, toute conspiration. Every plot, toute conspiration. Des ténèbres. Contre MFM2. Contre cet ministère. Et tous les membres de cet ministère. Toute conspiration satanique. Contre ce ministère. Against the members of this ministry. Contre les membres de ce ministère. Let it by fire. Let it swallow them up. Que les conspirations avalent. Let the evil plot swallow them up. Swallow them up. In the mighty name of Yeshua Amashiach, our prayer. Amen. Assigned to attack my journey to the promised land. Assigné à attaquer mon voyage jusqu'à la terre promise. Powers! Wow. Assigned to attack my journey. Assigné à attaquer mon voyage to the promised land. Jusqu'à la terre promise. To paradise of Elohim. Le paradis d'Elohim. You are a failure. Tu as échoué. Oh, earth. Oh, terre! Open! Swallow them. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. In the mighty name of Yeshua, Amashiach, our prayer. Amen. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Pose ta main sur ta tête. Place your hand upon your head. Every sickness. Programme to kill me. Programme into my system. As I lay my hand upon my head. I command that sickness now. Go back to your sender. Backfire. In the mighty name of Yeshua Amashiach. I decree upon my life. Je déclare sur ma vie. Healing. Guérison. Healing everywhere. Guérison partout de ma vie. Partout. Tout domine de ma vie. Guérison.
tout domaine, tout domaine de ma vie. Je déclare, la guérison, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. La guérison. Thank you, Yeshua. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Adonai. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Yeshua HaMashiach. Powers that want me to make a mistake. Qui veut que je fasse une erreur. Powers that want me to make a mistake. Qui veut que je fasse une erreur. That we destroy my covenant with my Elohim. Qui pourrait détruire mon alliance avec Elohim. Qui pourrait détruire mon alliance avec Elohim. Powers. Powers. That want me to make a mistake. Qui veut que je fasse une erreur. That will destroy my covenant. Pour détruire mon alliance. With my Elohim. Avec mon Elohim. You are a failure. Tu as échoué. By fire. In the mighty name of Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach n'a pas prié. Every voice. Toute voix. Every tongue. Toute langue. Every mouth. Toute bouche. Passing judgment against me. Qui dit des jugements contre moi. Passing judgment against me. Qui dit des jugements contre moi. Your judgment. Ton jugement. Ton jugement. Back to you, 100-fold. Retourne-toi. 100 fois. Retourne sur les têtes, 100 fois. Retourne sur les têtes, 100 fois. Let their judgment backfire on them 100 times. 100 times. Let their judgment, they are passing against me. Return to their head, 100-fold. 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 In the mighty name. I break and loose every chain, every handcuff, toute menotte, every padlock, tout cadenas, every rope, toute corde. They used to lock me. Ils ont utilisé pour m'enchaîner. They used to chain me. Ils ont utilisé pour m'enchaîner. They used to tie me down. Ils ont utilisé pour m'attacher. They used to handcuff me. Tu as utilisé pour me menotter. I break it. Je I lose myself. From that body. I lose my life. From that body. Loose. Lose yourself from that bondage. Loose. Lose yourself from that bondage. Lose yourself from that bondage. Break that chain, break that rope. Destroy it by fire, Lord. In the name of Yeshua HaMashiach. Thank you, Yeshua. Thank you, King of Glory. Oh no, puissant de Yeshua HaMashiach, we have a prayer. Amen. I move forward. J'avance. Limitation is not my case. Limitation n'est pas ma. Je ne suis pas la candidate de la limitation. Every line of limitation. Toute ligne de limitation. Drawing in my generation. Tracé sur ma génération. Tracé sur ma génération. Every line of limitation. Toute ligne de limitation. In my family lineage. Dans mon lien familial. Every line of limitation. Toute ligne de limitation. In my blood lineage. Dans mon lien de sang. By the power in the blood of Yeshua HaMashiach, I destroy that limitation. Je détruis cette limitation. 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 limitation. Je détruis limitation. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. 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 Thank you, Yeshua. Thank you, King of Glory. Enfin, finalement, tu vas prendre cette prière. Alléluia. Toute infirmité. Toute infirmité. Toute maladie. Toute maladie. Toute chose négative. Toute chose négative. Que mes parents, ils sont vaincus dans leur vie. Que mes
Mes parents ont vaincu dans mon vie. Mes ancêtres sont vaincus. Que mes ancêtres ont vaincu. Toutes choses négatives. Toutes choses négatives. Toute infirmité. Toute infirmité. Dans ma lien familial. Dans mon lien familial. Dans ma génération. Dans ma génération. Dans mon lien de sang. Dans mon lien de sang. Dans ma fondation. Dans ma fondation. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Dans ce mois numéro 9. Dans ce mois numéro 9. Qui signifie le mois de productivité. Qui signifie le mois de la productivité. Qui signifie le mois de productivité. Qui signifie le mois de la productivité. Je déclare. Je déclare. Et toutes ces choses négatives. Que toutes ces choses négatives. Moi, Sylvester. Moi, Christina. Avec ma famille. Avec ma famille. N'est pas ta candidate. Nous ne sommes pas tes candidates. Ne sont pas ta candidate. Nous ne sommes pas tes candidates. Donc, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Toi, cette affaire. Toi, cette affaire. Toi, cette infirmité. Toi, cette infirmité. Toi, cette infirmité. Toi, cette infirmité. Toi, cette limitation. Toi, cette limitation. Toi, cette maladie. Toi, cette maladie. Toi, cette chose. Toi, cette chose. Qui a tourmenté mes parents. Qui a tourmenté mes parents. Qui a vaincu mes parents. Qui a vaincu mes parents. Qui a vaincu mes ancêtres. Qui a vaincu mes ancêtres. Qui a tenté de me chercher maintenant. Qui a tenté de me chercher maintenant. Tu as échoué. Tu as échoué. Que le sang de Yeshua Amashia. Que le sang de Yeshua Amashia. De productivité. De productivité. Localise cette chose. Localise cette chose. Élimine-les maintenant. Élimine-les maintenant. Élimine-les maintenant. Détruis-les maintenant. Élimine-les maintenant. Au nom puissant de Yeshua Amashia. Que ma vie avance. Que ma vie avance. Que ma vie avance. Que ma vie avance. À cause de le numéro 9. À cause de ce numéro 9. La vie de Sylvester. Deviens productive. Deviens productive. Deviens productive. Deviens productive. Deviens productive. Deviens productive. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci Seigneur, merci notre Père. Merci le roi des rois, merci de toute puissance. Remercie Dieu, remercie Dieu. Remercie notre Père. Cette chaîne s'est brisée. Le Seigneur, il est là. Il dit, n'inquiète pas, notre temps de souffrance, notre temps, cette bondage est déjà terminée. Amen. Nous sommes maintenant le temps de récupération. Il va tout payer. Satan lui-même, il va payer tout. Amen. Parce que la Bible vous dit, la mort, il va vomir tout ça qu'il a avalé. Amen. Tout, il va tout se payer. Amen. Il va remettre tout ça qu'ils ont pris. À partir de maintenant, au nom puissant de Yeshua, à ma chère. Amen. Merci Seigneur, merci notre Père. Continue de nous protéger en Babylone, Papa. Fais-nous toujours Goshen, comme tu as fait cette jour. Protège-nous, protège tout ton peuple, tous tes enfants, partout de quatre mois du monde. Tout l'Israéli, Papa, protège-les. Papa, continue ton œuvre dans ce continent Afrique qui te appartient. Continue avec les quatre charpentiers. Continue de les chasser. Continue de récupérer tout ce qu'ils ont volé. Restaure ton peuple, Papa. Merci, notre Seigneur. Garde-nous et protège-nous. Que tous les fourris, tous les colères, tout ce qui va essayer d'élever contre nous, qui sont en diaspora, que tout retenez sous les têtes au nom puissant de Yeshua. Amen. Toute loi qu'il va essayer d'implémenter, pour nous faire mal. Papa, que cette loi retenue sous les têtes, non, puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Garde-nous, protège-nous. Protège tous tes enfants. Et parmi eux aussi, qui va écouter, qui veut la vérité aussi, qui va repentir, Papa, accepte-les. Accepte-les, Seigneur. Amen. Délivre-les, Seigneur. Amen. Fais-les de comprendre la vérité. La Bible dit, la salut est partie des Israélites. C'est Zélie maintenant qui va aller évangéliser et dire le païen pour les panthées. C'est pour cela que Zélie doit vivre, doit leur montrer la vie correcte. Zélie doit leur montrer comment on suit notre Dieu. Si vous voulez suivre Dieu d'Abraham, la foi d'Abraham, voici, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Ce n'est pas eux
qui va nous montrer comment sur notre Dieu. C'est pour cela que les gens qui sont dans toute l'église, ils sont dans les règles. C'est toi, Israël, de Dieu, qui doit montrer le païen comment sous ton Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Papa, prends contrôle de notre vie. Je prie pour tous qui vont sous cette message, qui vont prier avec nous, papa, que leur chant dans ce message les touche. S'il y a quelqu'un parmi eux qui est en train de passer dans n'importe quel problème que ce soit, je déclare que pendant que tu es en train de sous cette message et prier, que le Seigneur, la main de Dieu, touche cette situation. Et que cette situation disparaisse au nom puissant de Yeshua à ma chair. Amen. Je prie que s'il y a quelqu'un parmi vous qui nous a dit d'écouter, qui a dit de souffrir dans la main de Marie Denis, femme Denis, hein, Mamie Wata, l'esprit familier, les idoles de la maison de ton père, toutes les choses sataniques. Je prie quand tu vas écouter ce message et faire cette prière, papa, que tout cet esprit reçoit le chêne du Saint-Esprit. Que les anges de Dieu les emballent, les jettent à l'abîme au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Libère tous tes enfants dans le bondage satanique. Que tout chêne, que toute minote, que tout cadenas, que tout corde qui sont utilisés pour lier tes enfants dans le bondage depuis des années. Papa, dans leur famille, dans leur nation, dans leur communauté, dans le village, dans ici en France. Regarde, chaque fois quand je regarde les gens, ça me fait mal. Je regarde les gens, même dans le travail. Les gens que j'ai voulu assister, je les amenais chez eux. Quand je les parle, on a la veillée, quand j'ai fini maintenant, je vais les préparer pour la veillée et tout. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un. C'est comment il va aller en boîte. C'est comment c'est fumer les cigarettes. C'est la vie que Dieu pitié. Les autres réclamaient qu'ils sont musulmans. Qu'ils n'ont jamais lu l'histoire de l'islam. Comment étaient forcés. Ils sont utilisés pour capturer. Quand le catholique il a fini pour eux, ils sont, après l'arrivée de Mohammedisme, ils ont signé le contrat, envoyé-les où que tous les vrais juifs noirs, quand ils sont échappés, ils ont refusé de les obéir et sous les religions, ils ont envoyé l'islam là-bas pour aller les éliminer. C'est comme ça qu'ils ont forcé tout le noir qui a devenu musulman aujourd'hui. Toute cette histoire, c'est maintenant dans, c'est trouvé dans le Google, même YouTube. Va écouter ta histoire et va étudier, lis. Que Dieu pitié, que Dieu pardon. Les gens ont été péris. Regarde ça qui est arrivé partout. Les gens n'est pas intéressés, ils sont intéressés de l'argent. Ils ne savent pas que la plupart de nous va perdre l'argent. On va perdre beaucoup. Même si tu es chrétien, même si tu es païen. Pour le païen, sera terrible. Pour nous aussi, on va perdre. Parce que c'est le temps de notre trahison. Le Seigneur voulait savoir si tu l'as aimé vraiment. Ou si tu aimes l'argent ou le matériel. Alléluia. Donc, on ne met pas notre confiance dans toutes ces choses. Mets seulement ta confiance dans Yahshua HaMashiach. Même si tu perds, dans le temps que ça va arriver, parce qu'il y a deuxième exode, il y a dit d'arriver. Alléluia. Quand les gens là vont perdre tout cet endroit, tu penses qu'il va nous, regarder comme ça. Il va commencer de changer la loi pour nous faire, celui qui va partir, il va partir, mais il ne peut pas aussi nous laisser de partir comme ça. Parce que la prophétie de Apocalypse 12 doit accomplir aussi. Alléluia. Apocalypse 12. Le rage des dragons
contre cette femme quand il voulait partir. Ça va arriver aussi. Mais il a dit, la terre, il a aidé cette femme. La terre signifiait les choses naturelles. Le Seigneur va utiliser, soit c'est le tempête de la terre, soit c'est le tonnerre, soit c'est, comment on dit ça? Tremblement. Tremblement. Ou ouragan. Ça qui est arrivé à Thaïlande. Tsunami. Tsunami. Quelque chose naturel. Alléluia. Rappelle, le premier Égypte, qu'est-ce qu'il a aidé? C'est naturel. La mer, il a ouvert. Ils sont rentrés, il a fermé. Donc, c'est comme ça. Le Seigneur va utiliser quelque chose de naturel. C'est ça qui va aller empêcher que nous, on va échapper. Alléluia. Amen. C'est la prophétie. Tout ça, ça va arriver. On a déjà dit donc. Que Dieu soit glorifié. May God help us. I didn't tell them the truth. The woman will go. But the dragon, a prophecy of Revelation chapter 12, will come to pass. The going of the woman, the dragon and his people, they will release either a law. They will try to stop them. They try to stop us. But the earth, something natural, as it did in that day of the Egypt, Israel coming out of Egypt, and the sea opened and swallowed them up. Natural something will happen that will make them, before they get themselves, Israel have left. Hallelujah. And any one of them that force themselves to pursue Israel will die in it. Hallelujah. So let us prepare. May Elohim be with us. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. Que le Seigneur reste avec nous. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous allons prier.